la relation, quand même, Jésus dans l'islam est très importante. Très forte, tout à fait. C'est très fort et ça a vraiment beaucoup de sens. Alors l'universalisme, oui, Jésus, je crois que c'est un des grands points de la foi chrétienne, ça a été sa dimension universelle. Et elle a démarré très discrètement avec Jésus à travers quelques événements. Bon, avec la femme cananéenne, mais avec le christianisme, immédiatement, on va sortir de l'univers juif, dans lequel d'ailleurs la communauté juive de Jérusalem a essayé de ramener les chrétiens d'Antioche. Oui, oui. Et à ce moment-là, ça a été vraiment alors l'explosion vers le monde extérieur. Alors, je voudrais qu'on revienne à Saïdna Isa, à Jésus, alayhi salam. Vous avez entendu ce que Père Gabriel Agaï a dit de la perception. Le rabbin. Excusez-moi. Il y a des confusions. Ce que monsieur le rabbin Gabriel Agaï a dit, je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec lui, parce que l'objet de l'émission, ce n'est pas d'être d'accord ou de pas être d'accord. Par contre, j'aimerais maintenant, avec un homme de l'Église, que vous nous donniez de la naissance de Jésus au message prophétisé par Jésus, quelle est la mission essentielle pour les chrétiens de Jésus? Est-elle une mission de ramener ceux qui se sont égarés du message originel de Dieu vers la voie de Dieu, ou bien le message est-il encore plus grand et plus universel? Le message de Jésus est universel. Il s'est développé dans le sillage du peuple juif, vraiment dans le sillage de la Torah, de ce qui a été reçu. Mais dès le départ, sa mission est une mission de lumière pour le monde, pour l'humanité, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Là, c'est la conclusion, je dirais, de la Genèse. Séparation. S'il te plaît, je vais venir à toi. Je veux continuer avec le Père, parce que c'est important. On a le sentiment, quand on n'est pas chrétien et quand on écoute, quand on lit, qu'il y a quelque chose de récurrent chez les chrétiens. Dieu est amour. Oui. Jésus est amour. Jésus est pardonneur. Je ne veux pas dire que ça laisse le sentiment que les autres ne sont ni amour ni pardon, mais... Tout à fait. Mais je voudrais savoir pourquoi tout est axé autour de cet amour et de ce pardon. N'y a-t-il pas autre chose dans le message de Issa au-delà de l'amour et du pardon? Le message d'Issa était énoncé dès son premier discours, ce qu'on appelle le discours sur la montagne, avec les béatitudes. Voilà le message d'Issa. On passe du niveau de la loi à du niveau d'intériorité. Heureux les doux, heureux les pacifiques, heureux les pauvres en esprit, heureux. Et c'est cela, le message d'Issa. Un message qui veut rassembler les hommes dans une offrande. Moi je dirais que c'est le message de la Torah. Le véritable message de la Torah, c'est ça. Et un autre rabbin aussi, auquel on a demandé, es-tu capable de résumer toute la Torah en te tenant sur un pied? Il l'est l'ancien. Et ben, il s'est tenu sur un pied. Il a dit, man desane aler la havrach la ta'aved, en araméen, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à t'autrui, c'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même, qui est la version la plus légère, et qui est vraiment l'esprit de la Torah. Et il a continué en disant, Zekola Torah, ça c'est toute la Torah, tout le reste, c'est que son explication, va donc étudier. Donc ce que Jésus a dit, c'est tout à fait kasher, c'est dans l'esprit de la Torah. On l'a retrouvé dans le prophète Osée. Oui, bien sûr. Le prophète Osée a cette même. Je voudrais une autre question, si vous le permettez, Père Philippe-Antoine. Est-ce que Jésus, de son vivant, dans toutes ses interventions, dans tous ses messages, a dit clairement qu'il était le Fils de Dieu, ou qu'il était l'incarnation de Dieu, ou bien est-ce que cette notion est venue après
l'élévation de Jésus vers Dieu. Jésus a toujours mentionné une relation tout à fait spéciale, tout à fait spécifique, avec celui qu'il appelle le Père. Si vous permettez, c'est pas le sens exact de ma question, les mots sont importants. Est-ce qu'il a dit clairement dans le texte, je suis le Fils de Dieu, je suis, il y a Dieu le Père et moi je suis son Fils sur terre? Pas de cette façon-là. C'était aussi une lecture qu'il a fallu faire des paroles de Jésus. Hein. Donc la notion de la Trinité est le fruit d'une lecture. La notion de la Trinité est le fruit d'une lecture, oui. D'une lecture et qui s'est développée sur plusieurs siècles. Tout à fait. Il y a eu, le Nicée, vous avez parlé de Nicée. 325, mais oui. C'était Chalcédoine qui a vraiment finalisé cette conception, cette vision, cette compréhension du mystère. Avant, si vous permettez, je voudrais maintenant aller à l'islam, qui est Allah dit dans le Coran, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. Donc la définition de Jésus est un verbe, est un mot. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Je vais traduire. Parce que moi, j'avais préparé, avant ce verset qui remonte à l'Imran, c'est que il y a un verset sur le Baqarah qui est clair. Verset 87, je vous donne la référence, 87, sur le Baqarah. Je dis pour mes amis francophones. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Voilà ce qui dit le verset. وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Je dirais que s'il n'y a pas de mon père de traduction mutadis mutandis de l'arabe au français, je trouve que celui qui a traduit ça, l'avoir renforcé de cet esprit, était plus proche de la vérité. L'autre verset où là on montre aussi qu'il est proche de Dieu. Jésus est proche de Dieu. Moi, je trouve le verset 45, me sort Ali Omran, c'est l'histoire des Hébreux, en français, ou la famille des Hébreux, où il dit, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici, au-delà, l'un de ses rapprochés, les plus rapprochés. Il قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بك أنه اسمه المسيح عيسى وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Là, on rentre dans un autre débat. Ça veut dire que Dieu déjà a ce qu'on appelle les Rasul Ahl al-Azm, les prophètes les plus rapprochés. Et on cite souvent Moïse, souvent Isa, et en conclusion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La démarche, si vous voulez, pourquoi je vous dis ça? Parce que la démarche coranique, elle prépare les gens. Elle prépare les gens. J'avais dit peut-être, je sais pas, dans un débat, que pourquoi, ça c'est important pour mon ami Gabriel, pourquoi comprendre le sens, tafsir le Coran. Tafsir, c'est pas donné à qu'un faqih. Parce que quand on dit faqih, comme on dit, faqih al-lugha, faqih al-lugha, c'est-à-dire le savant de la langue. Faqih al-tob, un grand médecin. Faqih, c'est-à-dire maîtriser la chose. Je pense que le contextuel est important pour nous, pour mieux percer le verset coranique. Moi, je trouve, c'est un effort un peu personnel, quand, en discutant avec les rabbins, avec mes amis chrétiens et juifs, etc., et même d'autres religions, il faut pénétrer la psychologie de l'autre. Si on n'arrive pas à pénétrer la psychologie de l'autre, on ne peut pas se comprendre. Moi, quand je vous parle, par exemple, Asbab al-Nuzul, mais en quoi ça peut vous concerner? Vous dites, moi, c'est pas mon problème. Ça, c'est votre contextuel à vous. Mais quand, par exemple, je me trouve... Pour ceux qui comprennent pas Asbab al-Nuzul, les conditions de révélation. Voilà, Asbab, les causes de la révélation, ça veut dire que pour nous, les gens de la religion, enfin les gens qui s'intéressent à Tafsir al-Qur'an,
Il y a deux façons d'expliquer le Coran. Soit le Coran s'explique par le Coran, donc je prends un verset et puis je fais le recoupement. Et s'il y a une technique, ce qu'on appelle Nasr al-Mansour, je fais le recoupement. Ou sinon, je prends le contextuel historique. Bon, si je prends par exemple l'exemple, c'est pas un hasard. Pourquoi tous les versets, mais quoi parle que de Bani Israël? À aucun moment on parle des Juifs. À aucun moment. Je vous invite à faire le contrôle de ce que je dis. Pourquoi tous les versets? Il y a un verset. C'est notre contexte. C'est là où les Juifs sont cités en tant que Juifs. Attendez. Sinon, c'est toujours Ben Israël. Attendez. Là, c'était une histoire un peu. C'est une exception qui confirme pas la règle. Au moment où Moïse, qui est raconté par le Coran, il s'absente un moment donné, ou plutôt un moment de l'histoire du peuple juif. C'est comme s'il va retourner à ses problèmes, on va dire, de polythéisme. Un moment donné qui a duré quelques jours. Une tentation. Et c'est une tentation. Mais dans toute l'histoire du peuple, il y a toujours des tentations. Qui a dit d'ailleurs, on mesure la force du caractère, on mesure le caractère d'un homme à sa force de résister à la tentation. Donc, mais tous les versets médinois parlent que des Juifs, pas de Ben Israël. Ça veut dire que la première étape, on parle des textes, comme vient de dire Gabriel, mais la deuxième étape, on parle des relations entre homme à homme, c'est-à-dire au Jibraïl. On parle de toi à moi. On peut avoir des problèmes entre nous, mon frère. On peut avoir des relations affinées ou pas affinées. Mais le texte, il est clair. Très courtois. Et donc, pour nous, il y a toute une démarche. Je peux pas tout dire. Donc, il y a la sourate Al-Baqarah qui parle de la nature de Jésus. Il y a la sourate Al-Imran, après le Maïda, après Nisa, après Zuhruf, etc., etc. Si le temps m'est permis, je vais développer ça. Comment le rapport de Issa par rapport aux musulmans, par rapport au Coran, par rapport à Issa, son évolution, très son contexte. Non, pas maintenant. Je dirais, voilà les énoncés qu'on va faire, mais parce que ça reste un profil. Oui, je vais vous donner la parole. Oui. J'aimerais juste réagir sur le problème de la filiation de Jésus. C'est-à-dire que dans le judaïsme, dans la Torah, j'allais dire, c'est normal de s'adresser à Dieu en disant mon père. C'est sûr que il y a pas de filiation du tout physique, c'est une métaphore. C'est comme parabole. C'est une parabole, c'est comme un inventeur quand il invente quelque chose, on dit son invention c'est sa fille. Ça veut pas dire qu'il l'a inventé, c'est-à-dire il l'a inventé, nous sommes la création de Dieu. Donc et Dieu, comme on dit d'Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme. Pour aider un peu mon ami Gabriel, comment on dit Rabb al-Usra? Ça ne veut pas dire blesser le Dieu de la famille, mais c'est une façon d'imaginer que c'est lui qui règne. Rabb al-Usra, Rabb al-Bayt, Rabb al-Alamin, le Dieu. Donc il y a toujours des paraboles. Ce qui un peu fait la compréhension entre juifs, je dirais, et musulmans, c'est que la langue, elle est commune. Elle est imagée, déjà. Elle est imagée, elle est commune. L'hébreu et l'arabe, c'est une racine sémite. Et donc, moi, j'allais dire, c'est pour revenir justement à la contextualisation dans l'Ikhlas, la mielid, la mioulad. Pourquoi cet accent sur Dieu n'engendre pas? Bien évidemment, pour le judaïsme aussi. C'est pas parce qu'on dit père que Dieu engendre. Mais j'allais dire, c'est en réaction avec une certaine, justement, dans le christianisme, on a dit, voilà, Jésus est le Fils, mais véritablement engendré de Dieu. À ce moment-là, on comprend pourquoi, entre le judaïsme, où on appelle Dieu mon père facilement, et l'islam, dans lequel, ça y est, il n'y a plus cette relation, on l'appelle Rab, on l'appelle truc, mais plus père, parce qu'il y a eu peut-être cet excès d'un certain côté. Tu voulais peut-être, si Tawfiq, évoquer les conciles qui ont décidé que voilà Dieu, enfin que Jésus serait le Fils de Dieu, que Dieu s'est enfanté lui-même, etc. Mais pour revenir juste à comme le père Antoine citait les béatitudes, il est dit trouvez-vous la avdé shlama divnohi de la hanis
je cite dans la langue de Jésus, hein, excusez-moi, donc qui dit, Jésus a dit lui-même, Tovéon le avde shalama, bienheureux les artisans dans de paix, divnohi de lahon iskaroun, qui seront appelés fils de Dieu. Bien évidemment, c'est pas des fils en des fils, ce sont des gens qui réalisent le plan divin. Il faut prendre quand même la parole, si vous permettez, au père Philippe Antoine, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Ça, c'est un problème, parce que moi, je pour répondre à Gabriel, pour nous, il y a la sourate Nisa, verset 116, où c'est clair. Dieu s'adresse à Jésus, il dit, je traduis en français, prenez-moi ainsi que ma mère, oh Jésus, c'est toi qui as dit, oui. Fils de Marie. As-tu dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités? Il répond, dira, gloire à pureté à toi. Je ne suis qu'un prophète. Ça, c'est clair. Donc là, le débat est clos. Dans l'islam, il est clos. Mais par contre, dans la chrétienté, il a pris quand même quelques siècles. Et c'est là où je voudrais m'adresser au père Philippe Antoine, si vous le permettez. Ce qu'on n'a pas vraiment beaucoup entendu. Mon père, vous dites qu'aujourd'hui, tous les chrétiens sont d'accord sur ce concept de la Trinité, sinon ils sont plus chrétiens. Moi, je me pose la question, parce qu'il y a quand même des chrétiens qui affirment pas tout à fait le contraire, avec des nuances très très importantes, à tel point que la nuance s'estompe complètement pratiquement. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce fruit de réflexion que vous avez qualifié de ce terme, fruit de réflexion, n'a pas été finalement imposé dans le concile de Nicée, où on a inventé l'anathème qui était jeté à celui qui refusait cette conception. Mais attention, ne arrêtons pas la définition à Nicée. C'est placé en sort. Non, mais c'est important, Nicée, mon père. Nicée, c'était un point. Un début. Un début. Mmh. Mais la réflexion s'est poursuivie pendant encore plus d'un siècle. Mais Nicée a coûté à Arius une condamnation, tout de même. Mais oui, mais bien sûr. Voilà, oui. Mais il ne faut pas dire, c'est un fruit, bien sûr, la réflexion. Nous avons appelé, la parole de Dieu appelle notre réflexion. Dieu ne s'adresse pas à des gens sans intelligence. Dieu s'adresse à l'homme, et l'homme doit réfléchir, essayer de méditer, de comprendre. Je parle pas de la parole de Dieu qui appelle la réflexion, ça, nous sommes tout à fait d'accord tous là-dessus. Sinon, il n'y a plus de... C'est ainsi que le concept de la Trinité s'est imposé aux disciples de Jésus. C'était entre vous à un moment donné. Oui. Quand c'est donné, c'est de conseil de conseil de c'était entre vous. Oui. Mais pour moi, musulman, et pour mon ami Gabriel, certainement il va vous poser la même question, c'est le concile de Constantinople qui nous pose problème en 680. Oui. Donc il y avait déjà la révélation du prophète. Oui. Et c'est là que vous condamnez et l'islam et le christianisme et le judaïsme. Je voudrais, ça c'est pourrait faire l'objet de notre émission, parce que c'est pas vraiment, aujourd'hui on parle de Jésus, de sa conception. De Jésus, hein. Tout à fait. Après c'est le christianisme de Jésus. Mais je voudrais. Oui, tout à fait. En tant que personne. En tant que, voilà. Voilà, la personne historique ou le prophète. Ou selon le concept, le prophète ou le fils de Dieu ou le personnage historique. Mais je voudrais rappeler quand même le premier verset, n'est-ce pas, de Saint Jean, hein, c'est le Verbe. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Hein, voilà. Il était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement de Dieu, mais pour Saint Jean, c'est le Verbe. Hein. Bon, Jésus, c'est ce Verbe qui va s'incarner, mais c'est cette personne, bon, on appelait le Père, le Fils de Saint-Esprit, hein, mais chez Saint Jean, c'est le Verbe, hein, la parole de Dieu qui se réfléchit. Certains disent que c'est l'essence du Verbe. C'est, oui. Moi, pour être mauvaise langue, j'allais dire, qui c'est qui a conjugué ce Verbe au Fils? Alors, comme on est rattrapé quand même par le temps, je voudrais arriver, même si on n'a pas le message de Isa alayhi salam, on s'est focalisé sur sa nature, son essence, et c'est important parce que c'est ça qui fait débat. Je voudrais également revenir à une autre question qui fait débat entre chrétiens, juifs et musulmans, c'est la fin de Isa alayhi salam. Pour les musulmans, Jésus n'est pas mort, il a été appelé auprès de son créateur. Pour les juifs, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle de monsieur le rabbin, il a été condamné à mort et exécuté.
pour les chrétiens, bien sûr, il a été exécuté, crucifié. Donc, et ressuscité. Donc, merci de la précision. Donc, je voudrais vous poser la question à tous les trois en partant du verset coranique de Sourate An-Nisa. Peut-être que tu traduiras Cheikh Jalloul Saddiqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أي insistance de Dieu sur sa qualité de prophète de Dieu وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ils ne l'ont point crucifié ni exécuté mais ils l'ont rassemblé وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ils nous affirmons avec certitude qu'il n'a pas été tué. Je pense que ce verset il est très important, il est très clair. Il est essentiel, monsieur le rabbin. Alors, j'allais dire pour le judaïsme, c'est pas très pertinent parce que pour nous, la figure de Jésus, elle n'est pas importante dans le sens, elle va pas changer notre religion. C'était un sage, un rabbin, un prophète. En langage moderne, elle ne va pas changer la face du monde. Pourtant, elle l'a changé. Elle l'a changé. Je voulais vous piéger. Et on dit, grâce à Dieu, la face du monde, il l'a changé et il a amené de l'amour dans le monde. Tant mieux, on a besoin. Et on n'a jamais trop. On en a encore besoin. Mais plus pour que le jamais. Judaïsme, j'allais dire, le problème de sa mort, c'est un épiphénomène. Je veux dire, ça ne va pas changer. On dit qu'il est mort, qu'on dit qu'il n'est pas mort, ça change quoi pour nous? Rien. Alors, nous avons des traditions rabbiniques sur des personnages qui s'appellent Jésus. Il se trouve que beaucoup de commentateurs, ils disent le Jésus qui est un personnage relativement négatif dont on parle dans le Talmud, c'est pas le Jésus historique des chrétiens. C'est, on avait un autre personnage qui s'appelait Jésus avant, qui était négatif, et comme on a eu des problèmes avec les chrétiens, on a dit le Jésus des chrétiens qui était un bon rabbin, cachère sans aucun problème. En fait, c'est ce Jésus-là, histoire de que nos propres juifs, nos propres ouailles, ils n'aillent pas à se convertir à cette religion-là, parce qu'il y a tout chez nous, donc il n'y a pas besoin d'aller chez les autres. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà, nous, on n'a pas de raison de remettre en cause ni les évangiles, ni le Coran, donc j'allais dire, c'est un problème entre vous deux. Beaucoup de ceux qui nous... Et bien, voilà. Avant qu'on se débrouille, il y a quand même... qu'on se débrouille, on a des téléspectateurs, beaucoup d'entre eux ne sont pas au fait précis du christianisme ni du judaïsme, peut-être parce qu'on a une majorité de musulmans qui nous regardent, et non une perception que celle qui est dans le Coran ou dans les hadiths. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui a causé la condamnation à mort de Isa alayhi salam? C'est simple, c'est le pouvoir romain. Il y a quelque chose de très important qui est ce qu'on appelle la Pax Romana, pour l'hégémonie, pour l'Empire romain. Et il se trouve que Jésus était un agitateur. C'était quelqu'un qui était profondément humaniste. Un rebelle. Oui, profondément humaniste. Révolutionnaire. Il voulait révolutionner dans le bon sens. C'est-à-dire faire revenir les juifs au véritable message spirituel de la Torah. Il y avait les marchands du temple, il y avait les hypocrites. Malheureusement, chaque religion, chaque structure religieuse produit son lot d'hypocrites et de fonctionnaires de la foi. Et donc, j'allais dire, moi aussi, si j'étais à son époque, soit j'aurais fait comme lui, soit je l'aurais suivi si j'étais plus jeune. Donc, c'est une problématique devant laquelle toute personne spirituelle est obligée de se mobiliser. Et en tant qu'agitateur et problème pour la Pax Romana, les Romains ont décidé de s'occuper de son cas. Et le soi-disant tribunal juif qui l'aurait jugé, en fait, c'était un tribunal à la solde des Romains. Et la mort à laquelle il a été condamné, il n'y a aucune loi juive qui dit que ce qu'il a fait est condamnable à mort. Et donc c'était vraiment un problème romano-romain, et ils ont utilisé des gens... Je pense qu'il y avait quand même une confusion, comme il y avait une confusion sur le plan dogmatique, expliqué par les Talmud, sur la nature de Jésus, qui était faux, qui était le bien, qui était le faux. Il y a aussi sur ce procès que pour nous, comme vient de dire cet Ophir, le courant répond clairement. Qui a été rappelé. Ça veut dire, vous imaginez, l'esprit de Dieu, et Dieu va le laisser entre les mains d'un général romain. Donc il va, certainement, il y a un manque de respect ou un manque d'engagement. Donc pour nous, il était élevé qu'il va retourner. Le retour du Seigneur dans certains sectes musulmanes,
c'est lui, pour surtout pour les sunnites, c'est lui qui va revenir pour épurer la situation. Le dernier rappel. Donc nous sommes le dernier rappel. Attendez, nous sommes deux à y croire. Et je pense que pour nous, sauf que pour pour nous aussi, il est toujours comment vous dire, présenté comme quelqu'un comme vous et moi. Quand le Coran dit, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez, buvant de ce que vous buvez. C'est clair. Là, ça c'est autre chose. Ça c'était pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le Furqan. Là, je viens de vous citer Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 23-33. Mais quand il parle aussi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qui est donc ce messager qui mange de la nourriture et il marche dans les marchés? Donc, une fois, quand il parle de l'Mu'minoun, qu'il ne faut pas confondre avec sourate Al-Furqan 25-07 ou 23-33, le Christ, j'aurais fini. Le Christ, pour nous, c'est un homme, certainement, qui a été conçu d'une manière un peu... Un homme exceptionnel, et pas un homme... Exceptionnel, parce qu'on a insufflé en lui. Nous, pour nous, Marie n'a jamais eu relation avec un homme. Disons que si vous permettez, avant que je donne la parole au Père Philippe-Antoine, je voudrais schématiser un peu la perception de Isa alayhi salam chez les musulmans, qui lui donne un statut extraordinaire à lui et à sa mère, Maryam alayhi salam. Il y a une élévation Maryam, extraordinaire de Isa, alors que dans le judaïsme, c'est quelqu'un d'ordinaire qui concernait ceux qui ont cru en lui et qui n'est absolument pas le Messie. Et je cite Maïmonide qui déclare que finalement, Isa n'est pas celui qu'ils attendent et qu'il est décrit dans la Torah, et que finalement, son échec, l'échec de sa mission, puisque je vais le dire, Maïmonide dit, comme il n'a pas réussi dans tout cela, c'est quoi cela? Ça veut dire reconstruire le temple, les conditions nécessaires pour être le Messie. Comme il n'a pas réussi dans tout cela, il a été tué. Et c'est là où je reviens, moi, au rabbin Gabriel Hagai. Il a été tué alors qu'il n'est définitivement pas le Messie promis dans la Torah et que Dieu l'a choisi, ne l'a choisi que pour tester les foules. Donc, est-ce que c'est une reconnaissance du tribunal dit juif ou bien ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec le tribunal? D'accord. Juste avec le statut de messianité de Jésus. C'est important. Dans lequel ça rejoint ce que je disais au début, c'est que pour être un Messie, donc ce personnage politico-religieux, il y a certaines conditions à remplir. Il ne les a pas remplies. Donc, pour nous. Du point de vue du judaïsme, il ne les a pas remplies. Pour nous, ce n'est pas le Messie que l'on attend. Ceci dit. Donc, vous attendez encore le Messie. Le dit plus loin et dit quand le Messie revient, ou quand il viendra, donc le Messiah, quand il viendra, il se trouve que ce sera aussi Jésus qui revient et le Mahdi qui revient, et il mettra tout le monde d'accord. C'est-à-dire que. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est son finalement, tous les trois, vous attendez mais quelque chose. On attend tous quelqu'un. Ça, voilà. Et on n'attend pas quelque chose. Quelqu'un. Nous attendons Jésus. Je vous dis pourquoi. Il nous mettra tous d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le verset... ça m'a dit. Oui, mais allez-y. Je veux dire ça. Dans le verset 61-6, quand il s'adresse à vous, aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager. C'est Jésus qui parle. Je cite le Coran. Je suis vraiment le messager d'Allah, à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et en accepteur d'un messager à venir avant moi et après moi. Donc c'est clair. Donc pour nous, cette succession, cette démarche de l'homme qui était conçu d'une manière un peu mystérieuse, mais c'est comme ça, et nous y croyons. Alors pour nous, il est venu surtout pour confirmer ce qui a été dit déjà dans la sourate 5, verset 46, et nous avons envoyé à Moïse la Torah, dans laquelle se trouve une direction de lumière. Mais quand il parle de verset 48, toujours dans la sourate 5, il dit, et nous avons envoyé à Jésus, fils de Marie, l'évangile au singulier. Là, on parle pas de la dimension qui était citée par saint Paul. Bon, je m'arrête parce que je... D'accord. Tout à fait. Bon, on a parlé de la mort de Jésus. Bon, oui, tout à fait. C'était ma question. Donc maintenant, c'est de vous qu'on attend la réponse. Là, pour nous, c'est fondamental. Oui, tout à fait. Tout à fait fondamental. Et il faut la saisir au moment du récit que nous
que font les évangélistes, Gethsémani. À Gethsémani, Jésus est en face de sa mission. Il sait qu'il a été trahi. Et s'il va fuir, il en a eu la tentation. Et c'est, on nous le répète très clairement, il a eu la tentation. Mais que ta volonté soit faite. Pour lui, il fallait aller jusqu'au bout pour attester de la vérité qui était en lui, de la vérité qu'il nous avait apportée. Il ne pouvait pas fuir parce que ça aurait été trahir sa vérité. Il allait jusqu'au bout dans l'affirmation de sa vérité. Il y a été jusqu'à la croix, mais il est ressuscité aussitôt. Cette résurrection attestée donc par de nombreuses apparitions qui ont suivi le tombeau vide. Et voilà pourquoi, pour nous, il faut aller jusqu'au bout. Je comprends très bien la réaction qui a amené nos frères musulmans à dire « c'était pas possible, c'est un autre qui a été substitué et il a été rappelé par son père. Bon. » Justement, cela m'amène à vous poser une question. Parce que les textes, comme je le dis toujours, n'obligent que ceux qui les reçoivent ou que ceux qui y croient. Donc cette vérité absolue pour les musulmans ne l'est que pour les musulmans. Même si pour les musulmans, cette vérité absolue est universelle. Je ne sais pas si je suis assez clair. Par contre, pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que la version de l'élévation de Isa alayhi salam vers Dieu est beaucoup plus logique d'un point de vue mystique et à sa hauteur et à son niveau, qui, même si je vais dans votre sens de l'explication de ce fruit de réflexion, correspondrait mieux à quelqu'un qui est le fils de Dieu. Dieu a appelé son fils auprès de lui, il n'est pas mort, il n'avait pas besoin d'être crucifié. Est-ce que ce n'est pas une version, du point de vue de la logique humaine, qui est plus proche de la réalité? Oui, j'accepte ça volontiers. Vous savez, il vous pose la question parce qu'il pense... Il pense, tant que musulman, excusez-moi, hein, que vous pensez pas au péché originel. Tant que vous n'avez pas la conception du péché originel, on peut pas comprendre ce que pense un chrétien dans le fond de lui-même, car il est là. Non, aussi. Mais c'est important parce que comme Monsieur le rabbin a laissé la question entre musulmans et chrétiens, oui, mais il a raison. Problème. Il est dans son rôle, Monsieur le rabbin. Voilà, tout à fait. Moi, je voudrais. Il reste quelques temps ou pas? 5 minutes maximum. Et la parole est à vous. Moi, je voudrais juste citer un ami qui s'appelle Monseigneur Dubos, Michel Dubos, qui allait être notre invité, qui a fait un livre qui s'appelle « Entre laboratoire et mosquée ». Il vient de paraître il y a quelques jours. Il devrait venir avec nous, mais il était pris par... Il a dit ceci, je voudrais bien le citer, dans ce livre, page 65, il dit « Mais ce qui distingue un musulman, et qui est également très important pour eux, ce sont également 5 piliers invisibles. » On a parlé autrefois des 5 piliers. Dit 5 piliers invisibles. La foi en Dieu, la foi dans les anges, le fait de croire que Dieu s'exprime par les prophètes, par les livres, la foi dans la vie éternelle, la foi dans la prédestination. Or, cette foi qui dénote les piliers invisibles est plus facile à comprendre pour nous que les pratiques des piliers visibles, ces notions nous sont familières. On dit trop souvent, de manière un peu schématique, que les jeunes musulmans savent dire leur foi et que les jeunes chrétiens ne le savent pas parce que tout ça se passe dans le cœur. Je pense que notre discussion, avant qu'elle soit une discussion de théologien et de dogmatique, c'est une question de cœur, parce que j'ai du respect, là je ne cite plus le texte, hein, j'ai du respect pour mon ami Gabriel, qui dans tous ces débats, il a cette largesse d'esprit de vous écouter, même s'il n'est pas d'accord avec vous, il me dit, oui, d'accord, ne fahmek. Mais je suis pas d'accord avec toi. À part le moment qu'il n'a pas dit fahmek comme Ben Ali, j'accepte. Et puis, Père Antoine, qui est quand même l'élève de Massignon, je pense qu'elle a bien compris Massignon qui a bien compris l'islam de l'Irak et de beaucoup de régions. C'est aussi un message du cœur. C'est très important d'avoir ce genre de discussion. Avec le respect, avec l'estime réciproque aussi. Très bien. Dernier mot pour vous, mon père. Eh bien, je vous remercie, oui, d'avoir permis à chacun d'exprimer son,
sa vision de Jésus, mais son respect aussi pour cette personne. Je crois nous n'avons pas toute la même vision des choses, mais nous avons ce respect qui est fondamental. On n'est pas appelé à avoir une même vision. Et je ne sais pas, en vous entendant, je pensais au père de Tibérine, de Chergé, qui avait su justement trouver ce lieu de dialogue profond entre croyants. Et pour citer le père de Chergé, il disait, c'est pas parce que nous adorons Dieu de manière différente que nous adorons un Dieu différent. Nous adorons le même Dieu. Je l'avais noté. Très très bien, très très bien. Voilà. Non, c'est vous les trois. Et moi. Voilà. Merci. C'est ça l'esprit de parole commune. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puis, à la semaine prochaine.